Oh,
Père Céleste, nous restons pour ta présence dans cet lieu ce matin. Tu es un Dieu de ta parole, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu merveilleux. Laisse ta rivière d'amour couler maintenant sur nous, Papa. Rien de l'homme, mais tu de Dieu. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde dit ensemble. Amen. Je t'appelle prendre la main pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Bonjour tout le monde et bienvenue à Christian Family Church. Nous gagnons nos places dans la présence de Dieu. Nous vous prenons la Sainte-Sainte après l'enseignement de la parole de Dieu. Je suis conscient qu'il y en a beaucoup de monde qui parle là aujourd'hui, grippé ou une semaine un petit peu. Turbulence. Voilà, une semaine de turbulence. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Alléluia. On a un message très important de la part de Dieu, de son cœur à notre cœur aujourd'hui. Ce qui est un jeune qui est là pour la première fois. Si vous êtes là pour la toute première fois, faites-moi connaître si vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît. Si vous êtes là pour la première fois, un jeune qui est là pour la première fois. Un qui est là pour la première fois, bravo. Puis un autre qui est là pour la première fois, frères et sœurs. Une famille entière qui est là pour la première fois. Tapez une lame pour Dieu. Je souhaite Dieu la bienvenue. Gloire à Dieu. Et nous avons un jeune homme qui est là pour la première fois. Bon Dieu bénis toi. Bienvenue à Christian Family Church. Gloire à Dieu. Et frères et sœurs, comme tu commences l'église, un jour, bon Dieu, tu demandes à tout bouquin de monde sorti aussi loin que Maïbo. L'une réalise sa parole. Mais plus loin, une Venise aujourd'hui, c'est Italie, frères et sœurs. Donc, nous souhaitons la bienvenue à la sœur d'Italie. Bienvenue, gloire à Dieu. Alléluia. Vincenzi, bonjour, s'il vous plaît. Sœur, là, il y a un partenaire aussi ensemble avec nous dans cette ministère, frères et sœurs. Et nous envie remercier lui pour ce partnership envers nous. Amen. Gloire à Dieu. De l'Italie. Merci. Je m'appelle Vimla. Je suis d'Italie, Catania, dans la Sicile. Sous d'Italie. Vraiment, je remercie bon Dieu. Je me sens même présence qui m'a été sentie dans l'église que nous étions. Là-bas, l'assemblée, environ 100 Mauriciens. Madame, Michel et un enfant. Et mon enfant, je suis venu grand et je peux faire la musique. Et dans le côté mix, tout bon ça. Et quatre, nous, moi, un couple et un autre tien, nous avons un groupe d'intercession et évangélisation. Après, nous avons une partie sœur mauricien pour faire accueil et mon frère. Et l'église est tout italien, près de 3 000, 4 000 personnes. Nous avons deux cultes un matin soir. Et là, pour le moment, nous en l'été, mais nous faisons un seul culte parce que la majorité peut faire une rencontre spirituelle qui nous donne une place, qui tout pour le moment là pour mes enfants, après là pour mes adultes. Bien que ça veut faire qu'une seule coude parce qu'il peut maintenant l'église peut faire une partie comme moi. Écoutez, et moi, je remercie vous, frère, vraiment pour la prédication qui chaque semaine nous écoutez dans WhatsApp et aussi dans mercredi. Moi, mon frère là, parmi un serbe qui l'ici l'Italie, même c'est moi, les Bergamo. Je ne sais pas vraiment mon message, frère là, ce qu'il dit sur WhatsApp. Mais mon tendance des fois, mais mon apprécié bien ce message encore en mauricien, en créole profond, mais profond la parole de Dieu. Mon bien apprécié. Là une fois, mon Dieu, c'est là mes frères, là écoute sur l'assemblée et ça explique-moi un peu mon numéro. Mais moi pas jamais mon gars contact avec frère là, mais mon écoutez. Là une fois, mon sœur, j'ai un peu d'un problème spirituel, là mon fait contacter mon sœur. Et frère là. Et là, mon frère là, il commence à contacter mon frère et mon sœur, il commence à porter la parole en lui. Et là, après l'époque, là, moi aussi, il commence. Mais vraiment, nous avons grandi. Moi aussi, je porte ça dans le groupe mauricien que nous étions. Et moi, j'ai eu un compliment qui m'a envoyé. Moi, j'ai envoyé frère là, mon frère, il y a un bon message que moi, vraiment, j'ai grandi. Dieu bénisse. Merci. Cela dit aussi, s'aimer pour l'avantage ou l'avancement du royaume de Dieu à l'île Maurice, frères et sœurs. Amen.
Moi, les deux enfants restent avec moi aujourd'hui. Tous les jeunes restent avec moi, frères et sœurs. Nous tous pourrons ensemble. Il y a beaucoup de place. Et nous pour cause la parole de Dieu aujourd'hui. Il y a un message bien important qu'il y a pour causer, frères et sœurs. Et moi, je suis content que tu prends la Bible, je prends une plume. Et avant que nous rentrons dans la parole de Dieu, frères et sœurs, moi, pour vous dire que vendredi, nous demandons de passer au bord de la MCB. Nous pouvons gagner une réponse demain. Gloire à Dieu. Mais moi, pourquoi c'est fait au nom de Jésus. Tape un ami pour le Seigneur. Donc, à tous ceux qui peuvent écouter nous, frères et sœurs, ici, nous réunis à Port-Louis, et tous ceux qui peuvent écouter nous, le Facebook et le YouTube, nous tapons un ami, nous souhaitons la bienvenue. Gloire à Jésus-Christ. Mon message spécifiquement pour ça, l'église là, frères et sœurs, c'est l'église ici, là, mais aussi tout nous bannes l'église, le Christian Family Church, qui me tient content, bannes là, gain ça, est disponible. Donc, si vous pouvez enregistrer le haut portable, fais-moi connaître que vous pouvez enregistrer audio aussi, frères et sœurs. Je suis content. Avouez ça audio là, frères et sœurs. Ou soit si nous pouvons connecter un audio aussi là-bas. Je suis content. Tout le monde de nous, l'église, Christian Family Church, gagne sa message audio là. C'est une semaine assez tourmentée, frères et sœurs. Je vais vous dire au courant. Mercredi, je commence à le dentiste. Lorsque je suis le dentiste, frères et sœurs, dentiste, 3 semaines de cela, tu fais un plombage dans la bouche, dans les dents. Et lorsque il fait un plombage, il a trouvé qu'il a tous une racine, frères et sœurs. Et là, la bouche est gonflée. Là, Hollywood, je téléphone. Moi, je dis, comme ça, nous peut faire un nouveau planète des singes. Si tu as content, viens un acteur là-dedans. Moi, je dis, comme ça, nous allons gagner le temps, mais un pasteur, mais pas un acteur, quand même, s'il vous plaît. Hein? Mais je dis, moi, Rabéro, là, tu parles bien avec vous. Mais mon pan prend, frères et sœurs. C'était une attaque qui nous gagnait cette semaine-là. Mais vous devez comprendre qu'une attaque, c'est une indication qui nous peut arriver avec nos destinations. Nous devons comprendre ça, quelque chose-là, frères et sœurs. Donc, si vous prenez tellement le WhatsApp, si vous prenez tellement mercredi soir, c'est que mon labo, si vous avez récupéré, si vous êtes bien, vous trouvez un petit bout encore enflé, mais seulement, au nom de Jésus-Christ, tout va bien. Et l'autre triste nouvelle qui m'a pendant 11 frères, c'est que mercredi, moi, j'ai réel que de sa dentiste là. Donc, priez pour moi, s'il vous plaît, frères et sœurs. C'est mal, j'étais bien honnête avec moi, semaine passée. La première fois que j'ai fait ça, 3-4 semaines de cela, j'ai fait des plombages sans aucune injection. Moi, je suis très, très brave. Mais mon corps, qu'il ramasse tout mercredi passé, parce qu'il m'a fait 4 avec moi. Et même avec ces 4 piquets là, frères et sœurs, moi, j'ai encore beaucoup de mal. Alors, pense-moi dans la prière, frères et sœurs. Quand on broche les dents, pense-moi un petit peu, plus. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, ça, ceci dit, frères et sœurs, demain, nous avons l'école biblique. Et félicitations à tous ceux qui ont gradué dans l'école biblique. Mardi, nous avons une réunion de prière à 5h du matin sur Zoom. Pourquoi moi pour passer le YouTube cette semaine-là. Et nous avons aussi une réunion de prière à 10h, frères et sœurs, à 10h, ici à l'église de Port-Louis. Nous avons une réunion de prière mardi. Et jeudi matin, le Zoom, après 10h ici, et vendredi soir. Mercredi soir, nous avons une maison à Agapeo, avec la grâce de Dieu, tout pour correct, pour capable d'enseigner la parole de Dieu. Nous avons enseigné la deuxième catégorie de l'esprit, qui est fatigue des enfants d'Israël. Promis, c'était cananéen. Deuxième, c'est ban Étien. Donc, jeunement ensemble, frères et sœurs, mercredi soir, à partir de 20h. À partir de 20h, frères et sœurs, jeûne-nous ensemble, maison Agapeo, de notre maison à votre maison, de notre cœur à votre cœur, de notre bouche à votre oreille. Gloire à Jésus-Christ, frères et sœurs. Donc, ça c'est mercredi soir, vendredi, nous réunions prière, après samedi, 5h, et puis dimanche, 8h et 10h. Lorsque Motilo Lili, frères et sœurs, pendant ces trois jours-là, le Saint-Esprit finance à moi quelque chose qui est très important. Je suis content que tout le monde prenne une plume quelque part, un cahier, une la Bible. Et si vous êtes capable d'enregistrer le portable, frères et sœurs, parce que c'est un message catégorique, spécifique pour nous, l'Église, pour nos congrégations. Et tous ceux qui peuvent écouter nous aussi, à l'île Maurice, un message pour tous ici. Et tous ceux qui peuvent écouter nous dans le monde antique, on entend nos sœurs, ils sont d'Italie, il y a des gens qui sont de l'île de la Réunion qui peuvent écouter nous, aussi comme Australie qui peut écouter nous aussi, frères et sœurs. Et nous souhaitons la bienvenue, nous remercions pour notre soutien d'amour envers cette Église. Dans le livre de Néhémie, frères et sœurs, nous pouvons prier, après, lorsque vous priez, vous pouvez dire, nous prenons beaucoup de notes, ou il y a beaucoup de choses, vous pouvez trouver, qui ou passe pour remplir avec bande de choses, et nous pouvons méditer là. Ok, frères et sœurs? Le 8e mois de l'année peut rentrer demain. Le 8e mois de l'année peut rentrer demain. Le chiffre 8 dans la Bible, frères et sœurs, le chiffre 8 nous peut bouger par un calendrier prophétique.
Le chiffre 8 dans la Bible, frères et sœurs, représente un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc, à chaque fois, il y a le chiffre 8 dans la Bible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est l'accomplissement, la perfection. 8 veut dire un nouveau départ. Et moi, je crois que, personnellement, maritalement, familialement, congrégationnellement, nous avons un nouveau départ dans le nom de Jésus-Christ. Un nouveau quelque chose que Dieu peut faire dans nous la vie. Mais spécifiquement, les causes avec toi, personnellement, et les causes aussi avec nous dans cette congrégation. Laisse-nous couper la tête, nous invite l'ancien de nous, la vie de nous, l'Église, de cet Esprit de Dieu pour venir enseigner la parole de Dieu. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, je ne dis rien de moi, mais tout de toi. Je prie maintenant que tu aides moi pour partager cette parole spécifiquement avec clarté maintenant même, Papa Céleste, rempli avec instruction, révélation, information, importation et même correction afin que nous soyons capables d'aligner nos pensées avec tes pensées, nous la vie avec tes volontés. Nous venons précisément au pied de Jésus-Christ pour recevoir le message de la parole de Dieu maintenant même. Saint-Esprit, enseigne-nous. Je prie maintenant même qu'il y ait un mouvement du Saint-Esprit. Je prie maintenant qu'il y ait une oreille pour nous entendre, une pensée pour nous comprendre, une lecture pour nous recevoir. Je prie maintenant même, Seigneur, qu'il te tire tout et caille maintenant même dans nos lisiers. Je prie maintenant qu'il nous grandisse par tes paroles. Révélation, y apporte progression et bénédiction. Agis maintenant même, Saint-Esprit de Dieu. Brise tu ban limitation de nous la vie maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Et à toi seul soit tout l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit ensemble. Amen. Trois noms, vous voulez écrire. Numéro un, vous voulez écrire le nom de Zérobabel. Zérobabel. D'accord? Premier nom, Zérobabel. Deuxième nom, vous voulez écrire le nom de Esdras. Esdras. Troisième nom, vous voulez écrire le nom de Néhémie. Néhémie. Ces trois noms-là, c'est spécifique parce que là, Dieu peut faire quelque chose de très important dans le temps de la Bible, mais qu'il peut faire quelque chose d'important aussi dans nous la vie. Zérobabel, frères et sœurs, c'est la personne qui, le nom veut dire, né de Babylone. Né de Babylone. Donc cet homme, il est né de Babylone, et Dieu peut faire un travail, Dieu peut restaurer ce que l'ennemi vient détruire. Quand nous pouvons lire le livre de Néhémie pour un cycle qui peut passer dans nous la vie personnelle, qui peut passer aussi dans nous l'Église, frères et sœurs, les trois R, il peut y en avoir quatre, mais les trois R. Le premier R, frères et sœurs, nous passe dans une phase qui nous appelle une phase de repentance. Si Dieu me dit ensemble avec moi, repentance. Maintenant, dans repentance, il y a trois différents types de prières qui me pourront enseigner toi dans la repentance, frères et sœurs. D'accord, me pourront enseigner toi ça dans quelques instants. Deuxième, nous pouvons arriver dans une phase qui nous appelle rebâtir. Gétain Dieu me dit comme ça, rebâtir. Donc, de la vie, c'est quoi être rebâtir. De la vie a été détruite. Détruit par le feu de l'ennemi, détruit par ben, dégâts, détruit par parce que l'ennemi il fait ben, quelque chose avec toi, qui recule toi à l'arrière. Mais seulement nous servit un Dieu, troisième ère de restauration. Donc nous comprenons qu'il y en a trois phases, repentance, tu dis ensemble avec moi, repentance. Tu dis ensemble avec moi, rebâtir. Et tu dis ensemble avec moi, restauration. Maintenant, dans sa phase de restauration-là, il y a un autre air qui rentre là-dedans qui nous appelle réveil. Tu dis ensemble avec moi, réveil. Il y en a trop beaucoup parmi nous, frères et sœurs, nous gagnons l'esprit laisser aller, mais à partir d'aujourd'hui, nous pas pour laisser aller, nous pour prendre ce qui est pour nous. Nous pour aller de l'avant. Amen. Dis ensemble comme nous pour aller de l'avant dans mon vie. Nous pour tourner en rond, frères et sœurs, nous pour réussir à atteindre nos destinées. Amen. Nous pas pour gaspiller les temps, frères et sœurs. Ben, les temps qu'ils gaspillaient dans le passé, nous pouvons apprendre, rachète les temps et nous aille de l'avant. Gétain Dieu dit comme ça, rachète les temps, aille de l'avant. Donc, nous comprenons repentance, qui est lié avec moi, repentance, rebâtir, restauration, réveil. Maintenant, Zérobabel, mon Dieu, tu allais là, frères et sœurs, Zérobabel veut dire, il y a un fils qui est né dans Babylone. Après, là, nous trouvons les temps d'Esdras. Esdras veut dire aide. Esdras, c'est quelqu'un qui est dédié dans la parole de Dieu. Il est montré dans la parole de Dieu. Donc, il est enseignant de la parole de Dieu. Et ce nom veut dire aide. Et troisièmement, nous trouvons Néhémie. Néhémie veut dire console, consoler. Dieu dit consoler. Tu dis, on dit ensemble avec moi, on arrive dans ma saison de consolation. Dis-le encore une fois, dis-moi, on arrive dans ma saison de consolation.
Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi, consolation, frère? Consolation ne veut pas dire, étant, arrête de pleurer. Non, non, non. Ce n'est pas ça, consolation de Dieu. Consolation de Dieu veut dire que Dieu amène-toi avec ta destinée. Dieu l'y répare-toi, Dieu l'y reprend-toi et Dieu l'y repousse-toi dans ta destinée. C'est ça qui nous appelle consolation de Dieu. Amen. Dis un grand amen. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, la Bible dit à moi dans le livre de Néhémie, chapitre 1, le verset 1, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, le 20e année, comme j'étais à Sus dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Mon question, la Bible dit à moi, des questions qu'il vous pose, les très importantes, je vais te montrer toi aussi comment toi as découvert l'appel. Je vais te montrer toi comment toi as découvert l'appel. Une de bonne façon que toi as découvert l'appel. Maintenant, écoute-moi bien ce qu'il me dit, frères et sœurs. Tout le monde ici qui est présent dans cette assemblée, dans cette réunion qui nous ensemble, dans cette église, tout le monde ici, frères et sœurs, nous tous sommes appelés de Dieu. Tout le monde a un rôle capital et important pour jouer dans le royaume de Dieu. Il n'y a personne qui est insignifiant, tout le monde est important. Dis ensemble avec moi, mot important, aux yeux de Dieu, dans le royaume de Dieu. Maintenant, il y a trois phases que Dieu dit à moi, cette église, pour passer. Écrivez-les, s'il vous plaît. Écrire, tout le monde dit ensemble avec moi, nous une famille. Tout le monde dit ensemble avec moi, nous une famille. Dis-le plus fort, nous une famille. Donc, phase 1, Dieu rassemblez-nous comme étant famille. Mais Dieu a envie que cette famille, il y ait une famille unie. D'accord? Nous, une famille quoi? Dis ensemble avec moi, nous, une famille unie. Plus fort, dis, nous, une famille unie. Encore une fois, dis, nous, une famille unie. Maintenant, comme une famille nous unit, frères et sœurs, dans d'autres mots, à partir d'aujourd'hui, comme une famille unie, tout ce qui nous appelle divisé, nous vous mettons Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Nous, une famille unie, s'il y a quelque chose qui ne va pas entre moi et toi, entre toi et quelqu'un d'autre, nous devons apprendre, grandir, causer et rétablir ce lien de communication-là. Nous ne sommes pas capables de venir dans une présence que tu peux rebondir, qui nous pas peut trouver, mais seulement nous par cause avec un frère ou une soeur qui nous peut trouver. Toujours dis ensemble avec moi, nous une famille, nous une famille unie. Donc Dieu peut rendre l'unité dans cette famille. Amen. Une famille unie, il y a une famille bénie. Dis-le ensemble avec moi, une famille unie, il y a une famille bénie. Donc Dieu a envie de dégager une onction sur nous, mais surtout quand il y a l'unité, l'unité produit la bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi ça va être un petit peu plus spirituel que je là? Je ne vais pas t'applamer, je hein? Alors, nous avons, dis ensemble avec moi, nous avons une famille. Nous avons une famille unie et une famille bénie. Phase 2 maintenant, nous sortis dans sa dimension familiale là, nous rentre dans la dimension l'armée de Dieu. Là, nous sortis comme une famille, nous vînons un guerrier. Nous vînons une l'armée, frères et sœurs, qui est équipée. Tu dis, nous disons ensemble avec moi, nous une l'armée. Une l'armée du Seigneur, bizarre, être équipée. Et nous avons des hommes et des outils qui sont importants. Ce qui est là, dimanche passé, pour ben graduer, frères et sœurs, je te dis qu'il y a des hommes capitales qui l'église bizarre, frères et sœurs. L'homme qui nous appelle l'épée, l'homme qui nous appelle lance. Tu dis ça avec moi, l'épée et lance. Amen. Dis-le encore une fois, j'ai l'épée et lance. L'épée dans la parole de Dieu, il représente la parole de Dieu. Nous appelons ça l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, dans l'armée, une armée bizarre est équipée. Une armée qui n'est pas équipée, c'est une armée qui est destinée pour faire échec. Vous pouvez comprendre la professeur? Dis ensemble avec moi, nous avons l'armée. Nous avons l'armée fort. Nous parlons d'une armée faible et frêle. Une armée faible et frêle, c'est parce que l'épée n'a jambes. Ok? Donc, l'armée là, bizarre, n'a jambes. Jambes là, c'est quoi? La parole de Dieu. Lance veut dire, frères et sœurs, la prière. Ça veut dire quoi, lance? Ça veut dire quoi, lance? Donc, nous visons à quoi? Dès qu'il y a une chose capitale, nous visons à la prière et la parole de Dieu. Dis avec moi, nous visons à la prière et la parole de Dieu.
Maintenant, un homme, il y a aussi bâtir, ben, petite chose, frères et sœurs. Dans d'autres mondes, il y a qu'un bâtir. Mais si moi, j'ai toi bâtir quelque chose, et moi, pas donne-toi un matériau, moi, pas donne-toi un outil, jamais tu peux bâtir quoi que ce soit. Amen. Donc, nous, il y a quoi? Outil et matériau. Tu dis ensemble avec moi, outil et matériau. Et ça, semaine prochaine ou semaine après, que le Saint-Esprit relâche moi, mon projet, toi qui ban matériaux et qui ban outils selon la parole de Dieu qui nous bisait, frères et sœurs. Moi, mon bisait, comment un blacksmith, comment dire blacksmith? Un forgeron, mon bisait, comment un forgeron, frères et sœurs, me donne-toi ban l'homme, me donne-toi ban l'épée, me donne-toi ban lance, me donne-toi ban, comment dire ça, ban marceau servi là, tout trop, comment dire ça? Tout très. Comment dire ça? Tourelle, pas tourelle, tourelle. Moi, vous avez un tas de tourelle, pios, n'est-ce pas, frères et sœurs? Mais est-ce que vous connaissez qu'il n'est pas capable de bâtir quoi que ce soit sans un plan? Amen. Donc, nous bisons un architecte. L'architecte de nous la vie s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui planifie nous la vie. Dieu a un plan pour nous, frères et sœurs. Pas un plan d'échec, mais un plan de succès. Pas un plan de pauvreté, mais un plan de prospérité. Dieu a un plan, et c'est à moi de révéler quel est le plan de Dieu pour cette église. Dis à Dieu a un plan. Dis-le plus fort, dis à Dieu a un plan. Donc, nous sortis de famille, famille là, bisait unie. Les là qui nous venaient l'homme, l'homme là, bisait équipé. Et les là, frères et sœurs, nous bisait l'écho. Tu dis, on dit l'écho. Maintenant, un l'écho, frères et sœurs, il bisait fonctionner. Maintenant, qu'est-ce bien qui me dit, un mot qui me l'utilisait, la frères et sœurs, qui Saint-Esprit finit de moi. Me dit, toi, nous, une famille unie. Une famille unie, les produits, une famille bénie. Les là, nous venaient l'homme, un l'homme bisait équipé. Et un l'homme bisait ban, matériaux et ban, outils. Les là, ça, les capables quoi? Les capables bâtir. Tu dis, mon frère et soeur? Nous pas juste détruire, nous détruire les œuvres du diable, mais nous bâtir le royaume de Dieu. Donc, nous sommes efficaces. Gloire à Dieu. Troisième, les là, nous venons quoi? Un l'écho. Maintenant, écoute-moi bien, frère et soeur. Ton l'écho, il est important. Parce que j'entends comme un l'écho, après, parce que j'entends comme l'écho du Christ. Si un l'écho est malade, l'écho là pour mal fonctionner. Il y a une maladie interne et une maladie externe. Nous ne pouvons pas trouver certaines maladies externes, mais nous ne pouvons pas trouver certaines maladies internes. Mais tout l'écho, envoie-toi un signe tous les jours, fais-toi connaître s'il y a une bonne et parfaite santé à l'intérieur. Par exemple, la tête fait mal, frères et sœurs. Tu l'écho fait t'en connaître ton papier assez dormi. D'accord, hein? Quand la tête fait mal, ça dépend que la tête peut faire mal, mais la tête fait mal, c'est une indication que l'écho là, j'ai un besoin un peu de repos. OK? L'écho fait mal, là, veut dire que tu as peut-être tension et hypertension. Comprends-moi là? L'écho là, puis avec toi, un signe. Une douleur avant, c'est un signe, frères et sœurs. OK? Si un frère peut avoir une douleur avant, ne veut pas dire qu'il est enceinte. Dieu ne comprend ça, la frère et soeur? OK? Si un frère, il a du lait avant, peut-être c'est un signe qu'il peut gagner, ben, c'est l'estomac viré, qui ça mange la panade bien avec, excuse-moi pour l'expression, ça lui peut gagner, vomissement, ça lui peut gagner, diarrhée. Mais c'est un signe qui l'écho avec toi, qui est quelque chose qui peut mal fonctionner au-dedans. L'écho du Christ n'est pas capable d'un écho mal fonctionner. L'écho du Christ, il besoin d'un écho qui est sain et qui fonctionne bien. J'ai un grand amen. Donc, numéro 1, nous avons une famille. Famille là, besoin unie. Famille là, besoin bénie. Numéro 2, nous vivons une l'armée. L'armée là, besoin équipée. Et l'armée là, besoin efficace. L'armée là, besoin bâtir. Numéro 3, nous vivons une l'écho. L'écho là, besoin bien fonctionner. Tu dis-moi là, frère et soeur? Vous connaissez, frères et sœurs, au cas trouve une malfonction dans l'écho, mais au cas pas trouve une malfonction dans l'écho. Alors, nous devons apprendre, comprendre où se trouvent les malfonctions au-dedans de nos églises. Qui peut provoquer sa banne quitte chose qui peut déranger nous là? Qui peut empêcher nos croissances là? Qui peut empêcher nous atteindre sa destinée là? Tu dis-moi là, frères et sœurs?
Qui m'a dit, nous étions trois qui choses là. Une famille, tu dis ensemble avec moi, nous une famille. Je dis, nous sommes une famille. Je dis, nous sommes une famille par le sang de Jésus-Christ. Amen. Irrespectif qui coulait à toi, qui grossait à toi, qui lâche, tu es là, qui ôté à toi, frères et sœurs, tu es là, c'est vrai, tu es là, nous famille. Tu es dans réel, tu es dans fausse, nous famille. Tu dis, mon frère et sœur, nous famille par du sang. Qui dit sang ça? Du sang Jésus-Christ. Gétain dit, nous sommes une famille. Dis-lui, nous une seule famille. Dis-lui, nous une famille unie. Dis-lui, nous une famille bénie. Amen. Là, nous venons rentrer dans l'armée du salut. L'armée de Dieu. Et ça, l'armée-là, il y a un capitaine, il y a un général. Ce général-là, il appelle Jésus-Christ. Et tout combat qu'il y dirigeait garantit la victoire. Amen. Elle a un écho, frères et sœurs. Et la tête de cette corps s'appelle Jésus-Christ. Comment s'appelle la tête de cette corps? Maintenant, comment est-ce qu'il m'a réalisé, moi, un appel? Un demande indication, je dis bien un demande indication qui m'a réalisé, moi, un appel, c'est qu'il me commence et la compassion. Tu dis, dire compassion. Néhémie, la Bible dit moi, frères et sœurs, lorsque Anani lui dit, le verset 2, il commence à poser une question, je l'ai questionné au sujet numéro 1, demande juif réchappé qui était resté de la captivité, et numéro 2 au sujet de Jérusalem. Dès qu'il y a quelque chose qui donne preuve, qui te donne l'appel, tu commences à développer numéro 1, compassion pour le peuple, numéro 2, compassion pour la ville. Tu me dis ensemble avec moi, compassion pour le peuple, compassion pour la ville. Maintenant, il est très important que toi et moi, lorsque nous sommes autour de nous, il y a des trois personnes qui parlent là aujourd'hui, nous puissions réaliser qu'il y a besoin de compassion. Qui fait ça, ces personnes-là, pas là? Est-ce qu'ils sont pas là parce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils sont pas là parce qu'ils sont payés tango quelque part? Vous savez, c'est quoi tango, frères et sœurs? Depuis amuser quelque part. Nous devons prendre soin des autres, salut. Dis amen. Quand je ne suis pas là, nous devons apprendre Mark-Zut. Et nous avons dit ici, frères et sœurs, il finit Mark-Zut place. Par exemple, depuis Movin là, tous les dimanches, là, il est place, là, pour l'instant. Mais seulement, moi, je connais sa famille là prend place là. Même vous êtes compris, il me dit là. Et nous avons une famille qui prend place. Vous connaissez que certaines familles prennent une place, frères et sœurs. Alors, toi, tu as remarqué qu'il y a certaines familles qui ne prennent une place, qui ne sont pas dans une place aujourd'hui. Si je ne suis pas dans une place aujourd'hui, que je t'aide. Qui m'a capable de faire pour que un coup si ban là bien? Est-ce qu'ils ne sont pas venus parce qu'ils ont payé un casse transport? Suivre? Vous pouvez suivre? Moi, on appelle ça compassion. Tout dimun qui dans le corps de Jésus-Christ, besoin dimun qui a compassion. Parce que nous, bon Dieu, il y a un Dieu d'amour. Et nous, on a ça, l'amour de Dieu. Là, la Bible dit dans les livres de Romains, chapitre 5, le verset 5, le Saint-Esprit lui déverse l'amour de Dieu dans nous les cœurs. Alors, quand tu n'es pas venu, quand tu n'es pas venu, tu es bizarre, rôde-moi, moi bizarre, rôde-toi. Ce n'est pas juste moi qui rôde-toi, ce n'est pas juste toi qui rôde-moi, nous bizarre, rôde-nous prochain. Tu dis, mon frère et soeur, nous peinons l'esprit de Caïn. Nous patouillons nos propres frères, nous. Dis un grand amen. Ne pas tuer nos pauvres frères, nous. Amen. Ne pas tuer l'idée sur les deux, nous. Amen. Nous, pas vendre nos bons frères, nous, frères et sœurs. C'est le plus fort. Amen. Dis amen, là, plus fort. Amen. Nous pas tuer nos bons frères, nous pas vendre nos bons frères. Amen. Qui nous fait? Nous encourage nous les uns les autres. Amen. Nous prier pour les uns les autres. Amen. Et l'état de nous, la ville, est important. Amen. Nous, la ville, bizarre appartenir à Jésus-Christ. Amen, amen frères et sœurs. Là que nous puis aller, frères et sœurs, moi, je course à l'endroit là pour changer dans le nom de Jésus-Christ. Nous, la lumière de ce monde. Qui sommes-nous? Qui nous était? Maintenant, écoute bien, Esther. Donc, une de manière façon qui nous comprend, nous avons un appel, c'est à travers la compassion. La Bible dit à moi, là, frères et sœurs, ceux qui ont resté de la captivité sont là, dans la province,
au comble de malheur et de l'opprobre. Donc, il y a comprend condition saban dimoun là, saban dimoun là malheureux et saban dimoun là dans la honte. Mon frère, mon sœur, capable, il arrive toi ban quelque chose dans toute la vie qui te malheureux pour l'instant et qui te dans la honte pour l'instant, mais la grâce de Dieu peut surabonder maintenant même, te l'étant et te saison de la honte, te l'étant et te saison de malheur, il y expiré au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un nouveau départ qui peut commencer dans toute la vie dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, écoute-moi bien. Comment ça phase là commence? Vous voulez vous suivre moi bien là, frères et sœurs? Hein? Pas les personnes dormies, frères et sœurs. Vous pas dormi hier, vous n'avez pas le droit de dormir comme vous pouvez enseigner. Amen. Écoute-moi bien, frères et sœurs. Je vais vous montrer la première phase. La première phase, ce n'est pas la repentance. Tu dis, on dit la repentance. Vous pouvez remarquer que lorsque il y a de prendre sa nouvelle là, dis ça ensemble avec moi, quand moi prendre une mauvaise nouvelle, mon bizarre à prendre, rentre dans la prière, premier d'abord. D'accord là? Quand tu tannes une mauvaise nouvelle, pas paniquer, prier. Amen. Dis, on dit ça, quand tu tannes une mauvaise nouvelle, n'a pas paniqué. Prier. Et il y a trois, la prière spécifique, comme on peut cause la repentance, qui me l'est ou noter, s'il vous plaît. Trois, la prière spécifique. Numéro un, la prière de consécration. Tu dis ça avec moi, la prière de consécration. La prière de consécration, frères et sœurs, parce que toi et moi, nous sommes un peuple consacré. Dans le mot consacré, il y a le mot sacré. Toi et moi, nous sommes appelés pour venir un peuple qui sait. Alors, comment est-ce qu'il devient saint? Il devient saint quand nous passons le temps avec le Saint-Esprit. Donc, la prière de quoi? Consécration. Tu dis avec moi, la prière de consécration. Alors, à travers la prière de consécration, nous devient sacré par le Saint-Esprit. Tu dis, on peut comprendre, la frère et soeur. Deuxième type de prière, la prière de l'intercession. Suis-moi bien parce que je ne peux pas lancer avec toi beaucoup le banc de quitteuse. L'eau la prière dans quelques instants là. La prière de l'intercession, frères et sœurs, suivez-moi bien. La prière de l'intercession, elle est efficace, elle est importante. Mais il y a quatre dimensions de l'intercession qui me l'est noté, frères et sœurs. Tout le monde, nous sommes appelés dans la première dimension. Nous sommes tous des sacrificateurs, nous sommes tous appelés à l'intercession sacerdoce royale. L'intercession de sacrificateur. Tu dis ensemble avec moi, mon sacrificateur. Mon intercesseur. Ça veut dire, tu n'as pas juste prié pour toi, tu prié pour quelqu'un d'autre aussi. La Bible dit comme ça, prier pour les uns les autres. Ça veut dire, tu as besoin de prier pour moi, moi, besoin de prier pour toi. Que ça dit, mon à côté droite là, que ça dit, mon à côté gauche là, que ça dit, mon devant toi là, que ça dit, mon derrière toi là, tu as besoin d'apprendre à prier pour lui ici. Nous besoin intercède pour nos prochains. Intercession veut dire aussi intersection. Nous jouons des bouts ensemble. On appelle ça l'intercession sacrificateur. Deuxième niveau de l'intercession, on appelle ça l'intercession guerrier. Maintenant, écoute-moi bien, s'il vous plaît. Tout le monde content la guerre, mais peu et n'a pas d'hommes utiles pour gagner le combat. Suis-moi bien, ce qui ne m'a pas lancé à toi, frère et soeur, parce qu'il ne m'a pas lancé à toi, une dimension qui est très importante, qui peut-être ne peut pas réaliser. Alors, dans l'intercession qui nous appelle guerrier, frères et sœurs, la Bible dit comme ça, nous sommes soldats, nous sommes guerriers de Christ, et il y a beaucoup de personnes qui m'ont trouvé, rentrent dans l'intercession guerrier, qui au lieu de sortir vainqueur, je ne gagne un sac batté. Que ce soit moi? Un sac batté, je ne dépouillé. Parce que, écoute-moi, moi, pour dire quelque chose qui m'a dit à mon épouse, environ 10 jours de cela, dans les dimensions spirituelles, pénabadinage. Vous entendez qui m'a dit, oula, frère, soeur, dans les dimensions spirituelles, n'a pénabadinage. Pas une badine avec le diable. Nous, quand on badine maintenant, là, mon cas, j'ai par exemple, il y en a une qui badine de ça. Ah, je vais si, il y a pour moi, moi, va mort. Vous connaissez, il y a une qui dit ça. Quand je peux badiner, c'est là pour moi, moi, va mort. Dans les dimensions spirituelles, quand tu causes comme ça, tu peux donner accès à l'esprit de l'amour. Dans les dimensions spirituelles, pena badinas. Dans les dimensions spirituelles, il y a des oiseaux spirituels qui sont représentés dans la parole de Dieu. Il y a des oiseaux qui nous appellent kobo. Ça, kobo là,
Les vini pour coquer, pour détruire, pour égorger. Sa kobo, là, c'est le diable. Kobo, il nourrit la chair. À cause de ça, la Bible dit dans sa mort, c'est dans l'esprit. Plutôt pas accomplir les désirs de la chair. Vous êtes là, frères et sœurs? Mais nous badinons trop beaucoup, frères et sœurs. Mais moi, je n'ai pas moi pour finir, même pauvre. Qui est-ce si je finis pauvre pour vivre, Nous, tu peux rentrer 6 pieds sous la terre, n'est-ce pas? Badinez même. Tu restes pauvre même. Et tu appelles la pauvreté de l'autre génération aussi. Tu dis, mon frère, sœur? Pas badiner dans les dimensions spirituelles. Un guerrier comprend quelque chose. Il comprend qu'il se labousse, c'est un homme efficace. Partout la bouche, tu es capable de faire succès. Partout la bouche, tu es capable de faire échec. Tu es là, frères et sœurs? Donc, dans les dimensions spirituelles, il n'y a pas de badinage. Un guerrier, s'il démène à la guerre dans Maurice, frères et sœurs, nous pas marcher en badinage, nous marcher vigilant. Donc, un intercesseur guerrier, il y en a vigilance. Oh, beaucoup d'hommes et femmes qui chrétiens pendant longtemps encore peut badiner dans la dimension spirituelle et t'oublier ou soit t'ignorer que l'ennemi pape prend toi en badinage. Deuxième oiseau dans les dimensions spirituelles, on appelle ça colombe, qui nous appelle le Saint-Esprit. Colombe pas nourrit de la chair, colombe les nourrit par sémence. Ta parole y a une sémence, frère et soeur. Frère, excuse-moi avec tout respect, nous sommes tous coupables de ça, mon frère. Mon soeur, je suis coupable de ça. Nous badiner, parfois nous disons avec monsieur là, nous disons avec madame là, moi je me pour quitte toi, si je me quitte toi, tu n'as pas à vivre. Arrête cause quitter. Quand moyen rester. Que j'en moi? Que j'en moi? Quand moyen? Je peux mourir aujourd'hui, c'est moi si je me quitte toi là. Pas badiner dans les dimensions spirituelles. Tu peux appeler un esprit de séparation. Tu dis mon la frère et soeur? Un intercesseur guerrier comprend ça. Un intercesseur guerrier comprend ça. Troisième intercession. Dimension, mon peu causer toi là. On appelle ça intercession prophétique. Tu passes par phase là. Hein? Maintenant, c'est quoi une intercession prophétique, frère et soeur? Dans Ézéchiel chapitre 37. Nous trouvons un homme, la Bible dit moi comme ça, Dieu appelle cet homme, écoute-moi bien, Dieu qui amène lui dans une vallée, vallée-là appelle vallée d'ossement, d'accord? Dans sa vallée d'ossement-là, si bon Dieu t'amène toi, bon Dieu t'amène comme ça, James, Karen, Shefali, Albert, moi on t'appelle Iqbal, ok? Est-ce qui ça les yeux-là capable de vivre? Tu peux dire ça, et t'as bon Dieu, ben un mot, non, ça, non, t'as un mot ça. Ou pas. Mais un intercesseur prophétique, quand il arrive dans sa dimension prophétique, là, frères et sœurs, il ne trouve pas la vie comme il a envie de trouver la vie, il trouve la vie comme bon Dieu a envie de trouver la vie. Il ne raisonne pas avec son raisonnement, il raisonne avec la parole de Dieu. Il prend les pensées de la parole de Dieu, il fait sa parole la vie, une seule pensée. Dieu dit, comme ça, est-ce qu'il s'abat les œufs là capables de vivre? S'abat les œufs là bien secs. Si demain, mon montre, tu es en train de les opules, tu peux dire, moi, comme ça, tu es une poule là. Toi, tu crois, tu n'es pas là, hein, tu n'es pas là. Il n'y a aucun Mauricien qui est là quand, soi-disant, ban Hollandais, ils mangent nous, ban deux. Et les œufs de deux, on ne peut pas retrouver. Moi, tu as vous me trouver. Moi, je ne peux pas trouver les œufs de deux. Mais c'est moi de tout croire qu'ils Hollandais, ils mangent nous, ban deux. De tout croire qu'ils quoi? Hollandais, ils mangent, nous personne ne peut pas trouver, frères et sœurs. Mais nous croyons. Nous tous croyons, frères et sœurs, que Christophe Colomb, puis l'Inde, aide-moi dans mon histoire, il a découvert l'Amérique. Moi, je suis content, moi aussi, comme mon père dit dans mon avis, mon père Maïbou, j'ai découvert Belmore. Nous sommes au père Maïbou, moi j'ai découvert Père Hébert. Mais nous tout croyons, n'est-ce pas, frère et soeur, nous tout croyons que, vous connaissez Christophe Colomb, personne n'a connu, personne n'a pas famille, il n'y a personne qui appelle Colomb ici. Right? Mais nous tout croyons dans parole d'un homme.
mais peu de nous croient dans la parole de Dieu. Que ça, mon frère et soeur? Un intercesseur prophétique, frère et soeur, il n'y a pas limite puissance au bon Dieu. Alors quand l'homme les joigne avec Dieu, et Dieu pose lui une question. Maintenant, écoute-moi bien. Tous les deux oiseaux pour poser toi question. Le diable, première question qui t'est posée dans la Bible a été posée par le serpent. Est-ce qu'il vraiment bon Dieu in dire? Et sa question-là, il y a encore plus raison dans l'aspect humanité. Est-ce qu'il vraiment bon Dieu in dire? Quand bon Dieu donne une parole, prenez la voix qui vous dit, est-ce qu'il peut te aimer ça? Tu n'es pas capable, toi? Tu n'es pas américain, toi? Vous avez mon frère et soeur? Tu n'es pas la couleur la peau qui bizarre, toi? Tu n'es pas le nom qui bizarre, toi? Est-ce qu'il vraiment bon Dieu in dire? Ton raisonnement pour jouer un tour. Ton état d'âme pour jouer un tour. Et qui te fait à toi, Dimon, avec qui tu as causé, et sa Dimon qui t'a causé là, l'ici dans le même raisonnement qui toi, il n'y a pas qu'à raisonner comme un bon Dieu, et parce qu'il n'y a pas qu'à raisonner comme un bon Dieu, il n'y a pas qu'à cause comme un bon Dieu, il n'y a pas qu'à trouver comme un bon Dieu, il n'y a pas qu'à gagner aucun résultat qui bon Dieu fin promette. Tu peux comprendre ça, la frère et soeur? Deuxième question a été posée par Dieu. Où es-tu? Quelqu'un dit, où es-tu? Dans quelle dimension tu étais là? Où es-tu? Où es-tu? Dieu ne pose pas la question à l'homme pour dire où es-tu parce que Dieu ne connaît pas que tu y étais. Dieu pose l'homme la question où es-tu parce que l'homme ne connaît pas que tu y étais. Il y en a beaucoup parmi nous qui ne connaît pas que tu étais, frères et sœurs. Ah oui, géographiquement, nous dans pour lui. Nous connaissons que tu étais, mais que tu étais dans nous la vie. Que tu peux en aller. Tu as un peu un à l'esprit Doris Day. Ben, je ne sais pas comprendre Doris Day. Je te comprends Michael Jackson. Je te comprends. Comment appelle ça? Comment appelle ça? Tiffy qui chantait là, la diamant. Je ne sais pas comment appelle là. Pardon, comment ça s'appelle? Regardez. This girl is on fire. Comment appelle ça? Hein? Rihanna. Je te connais Rihanna. Moi, Moses Lola, fire of the Holy Spirit. Tu me comprends, il me dit là. Doris Day, tu sortes en chanter, que sera, sera. Whatever will be, the future is not ours to see. Ça veut dire, c'est ce qui peut arriver, c'est ce qui peut arriver. Et tu si tu ne comprends ça, la gratter là. Mais ce qui arrive, arrive. C'est ça. Mon petit père composé, mais ce qui arrive, arrive. Ça peut comprendre là. Mais bien, quelques docteurs, mais ce qui arrive, arrive. Après, nous, Maurice, nous avons un autre mot. S'il plaît à Dieu. Est-ce qu'il te croit qu'il bon Dieu, on vit béni toi? S'il plaît à Dieu. Tu as une lire qui l'a mis pour toi dans sa alliance là. S'il plaît à Dieu. Que ce soit mon frère et soeur. Tu as une qui fait bon Dieu plaisir, tu as la foi. Et tu as une mot de gagner la foi par la parole de Dieu. La foi, il y a un produit de la parole de Dieu. Amen. Donc, là, amène cet homme, troisième niveau de l'intercession prophétique, amène cet homme, délice qui s'est les yeux là, qui a vivre, il dit, Seigneur, que tu sais reconnaître. Là, je dis, comme ça, prophétise avec sa bande les yeux là, fils de l'homme, prophétisez. Lis pas raisonner, lis prophétisez. Suis-moi bien, parce que je ne vais pas le montrer dans un mystère qui trouvait dans la Bible, frères et sœurs, qui faisait aide-toi à comprendre dimension. Maintenant, lorsque lui prophétisait, frères et sœurs, la Bible dit, moi, tu n'as un séquément. Dis ça ensemble avec moi. Dans les dimensions spirituelles, il y a un son. Et ce son-là, il est provoqué par la prière. Amen. Comment est-ce qu'il te connaît de l'auto en morse? Vous dites, tu as un son tard. Que j'en moi? Te mettre en morse, te battre. Batterie plate. Topial, aucun port. Tout tacite. Mais quand tu t'en dis,
Tu connais Nen? Ça sonne là, ça ne fait l'appel de toi. Tu appelles aucun bord. Mais quand tu mets, tu te dis, tu sais comment faire ça? Là, tu connais. Tu t'en as son. La Bible dit à mon frère et soeur, Élie, les prier, lorsque les prier, le son du ciel est provoqué par la prière sur terre. Tu n'as pas attendu aucun son parce qu'il ne t'a pas prié. Tu n'as pas attendu ce son parce qu'il n'est pas attendu de son. Quel son? Son de la prière. La prière prophétique. La différence entre la prière prophétique et la prière de requête, la prière de requête te demande, la prière prophétique te appelle, te proclame. Dis ensemble avec moi la prière prophétique. Quatrième, frères et sœurs, nous arrivons à l'autre dimension qui nous appelle la prière, veillez et priez, nous appelons ça sentinelle. Comment on appelle ça? Ça veut dire sentinelle qui lui fait une veillée. Dans ce veillée, frères et sœurs, dites-moi une écoute. Ce lisier spirituel est tellement attentif. Ce oreille spirituel est tellement attentif. Il connaît qui peut arriver. Il trouve qui peut arriver. Il tendait qui peut arriver. Et il appelle les banquiteuses à l'existence. Contre ce qui le peuple peut appeler. Ban peuple négatif. Ok, c'est un mot pour montrer toi quelque chose. Dis avec moi. Souverain de Dieu. Dieu est souverain. À cause de ça, il appelle Seigneur de Seigneur. Il nous arrive, toi, frères et sœurs, qui, bon Dieu, te demande quelque chose qui ne répond pas à la prière. Toujours moi. Maman nous a demandé quelque chose qui ne répond pas à la prière. Maintenant, je me pose une autre question, c'était, est-ce qu'il te nous a arrivé de ne pas demander Dieu quoi que ce soit, Dieu donne-toi ça. Ça, moi, t'as un grand amen, hein, quand bon Dieu donne-toi ça. Ah ouais, gloire à Dieu. La Bible dit à moi, frères et sœurs, Dieu jeûne avec Abraham, montre souveraineté de Dieu. Dieu jeûne avec Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12. Abraham, quand il demande, il dit, Abraham, suive-moi, mon frère, toi, viens un père de plusieurs nations, moi, pour bénir toi, et en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Abraham, pas demande, non, mon vie arrive dans sa dimension, qui ne m'a pas demandé, mais lui donner. Souveraineté de Dieu. Mais la fois, tu demandes, bon Dieu, tu n'as pas gagné. Bon, toi, une demande raison quand tu demandes bon Dieu, tu ne peux pas gagner. Une demande raison qui fait quand tu demandes bon Dieu, tu ne peux pas gagner, c'est parce que tu ne peux pas positionner toi bien. Si demain, un enfant 16 ans, ou un monsieur 26 ans, ou une madame 26 ans, il dit Seigneur, moi, je te demande le teu. Moi, je te demande le teu. Seigneur, moi, pas besoin de BMW, moi, Seigneur. Te demande le teu. Demande-tu minimum, moi, tu es bien content, Seigneur. Te demande soit un Datsun, moi, tu es pour content, Seigneur. Bon Dieu, t'es moi, pas besoin de toi ni Datsun, ni Honda, ni Mitsubishi, parce qu'il te peine à ta licence. Parce qu'il y a un Dieu qui droite. Amen. Vous me comprenez ça la façon? Parce qu'il y a un Dieu qui droite. Dieu pas un Dieu, pas un Dieu illégal. Amen. Et si Dieu n'a pas fait ta confiance avec 100 roupies, il n'a pas besoin de 3000. Amen. Vous me comprenez ça la façon? Laisse-lui faire ta confiance avec. Quand il fait ta confiance avec 100, il lui donne toi. Quand il fait ta confiance avec 1000, il lui donne toi. 10 000. Quand il fait ta confiance avec 10 000, il lui donne toi. 100 000. Quand il fait ta confiance avec 100 000, il lui donne toi. Millions. Mon bizarre passe dans sa phase, là, frères et sœurs. M'aurais dit à toi pour la grâce, bon Dieu, tu nous bien connais qui est arrivé semaine dernière, frères et sœurs. Mais Dieu, il fait nous confiance. Quand Dieu fait ta confiance, Dieu donne. Quand Dieu n'a pas fait ta confiance, Dieu n'a pas donné. Tu dis, on peut comprendre ça, là, frères et sœurs. Est-ce que Dieu n'a pas fait ta confiance? Beaucoup parmi nous nous disent, ça, Seigneur, m'a fait ta confiance. Dieu peut dire, est-ce que moi, mon cas, fait ta confiance? Souveraineté de Dieu. Numéro 2. Niveau angélique, écris ça s'il vous plaît, frères et sœurs. Niveau angélique. Niveau angélique veut dire quoi, frères et sœurs? Suivez-moi bien là, parce que je vous explique une petite chose qui est bien importante. Niveau angélique veut dire quand tu danses à la prière de la foi, la prière de l'intercession, dans la dimension de l'intercession, là, chaque fois la prière montée, un ange manifesté. Descends ça avec moi. Quand tu as un ange, et tu as la porte. Descends ça avec moi. Quand tu as la prière, et tu as un ange. Et n'en la porte. La Bible dit comme ça, lorsque Jésus-Christ priait, le ciel s'ouvre. Lorsque Élie priait, le ciel s'ouvre. Amen. Donc, tout le temps que tu as la prière, et n'a une ouverture. Et la Bible dit comme ça, la porte qui Jésus ouvert, il n'y a personne qui affirme ça. On appelle ça, écoute-moi bien, la porte de prière. La porte de l'opportunité. On appelle ça? Comment on appelle ça? Suis-moi bien, frère de sœur, hein? Pas perdu moi là.
Alors, ben ange commence à mouvoir. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 10, la Bible dit comme ça, Daniel, il peut prier le premier jour. Ange la vie dit comme ça, depuis le premier jour qu'il t'a prié, montagne-toi. Mais c'est maintenant une circulation qui t'est bloquée. Dis ensemble avec moi, il y a un ange qui travaille pour moi. Et il y a un ange qui travaille contre moi. Ça veut dire, te retard, c'est à cause d'un problème dans les dimensions spirituelles. Tu veux bien comprendre ça, frère? Te retard qui fait? Te retard qui fait? Dans les dimensions spirituelles. Et il y a un retard là-bas, frère. Tenez, tu peux envie à le travail, disais, un exemple, on va dire ça, un travail, disais, si, mais tu peux envie à le travail, disais, un travail, disais, frère et soeur, traîne pas encore passé, disais, moins 5. Ça retard là, peut faire tort, être en retard dans ton travail. Et là, ton patron, juste là, ton patron va le passer là. Tu veux bien comprendre là, frère soeur? Retard. Mais retard ne veut pas dire qu'il ne peut pas venir. Te gis en retard. Tu veux bien comprendre ça, la frère et soeur? D'accord. Mais c'est moi qui te paye à Élie, c'est moi. Retard là, il ne causait pas ben, l'obstacle. Dis ça avec moi. Que tu as l'opportunité pour un obstacle. Plus fort, dis que tu as l'obstacle pour un obstacle. Dis ça avec moi. Dieu est un Dieu de l'opportunité, mais le diable, lui fait l'obstacle. Je suis obligé de persister dans ma prière. Maintenant, écoute ça, Esther. Deuxième, là. C'est maintenant le troisième. Ça, tu intrigues moi, frères et sœurs. Beaucoup intrigues moi. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Suivez-moi, tu dis-moi, là. Actes des Apôtres, chapitre 12. Il y a un nommé Hérode. Hérode, frères et sœurs, m'oblige à expliquer de ça l'esprit Hérode, là. Hérode, l'Hérodis, ben, dis-moi, qui est bien placé. Parce qu'il y a l'esprit de meurtrier, il y a l'esprit qui agace, ben, dis-moi, ça. Alors, il prend Jacques, après Jacques, l'Hérode, Pierre. Il prend Pierre, il met dans prison. Suivez-moi bien, frères et sœurs. Il prend Pierre, il met dans prison. Et lorsque Pierre est dans prison, la veille qu'il y parle mot, destiné par Hérode, dis ça avec moi, mot prier, tout ban destin, de ban mauvais regard, de ban mauvais la prière, lui annuler le mot la vie dans le nom de Jésus. Alors tout ça, ban mauvais quelque chose qui dit, on peut prier l'autre là, l'annuler dans le nom de Jésus-Christ. Dis un grand amen. Et n'a dit, on peut faire mauvais la prière l'autre. Et n'a dit, on a mauvais regard l'autre. Et n'a dit, on a mauvais l'équerre l'autre. Et n'a dit, on a mauvais parole l'autre. Par quoi tout dit, on qui vient de l'église, ban bon dit, on dit bien qu'il vient de l'église aussi, à vrai dire. Et n'a dit, on. Tu as dit, je vais prier pour moi. Moi, tu peux dire, toi, moi, ferme-toi la bouche. Prie toi-même, toi. Sors d'un dimun avec qui tu as confiance, dis à dimun, prier pour toi. Parce qu'il n'y a pas tout dimun qui connaît faire la prière. Amen. Et pas tout dimun qui prie bien. Amen. Ou la frère et soeur? Suive-moi bien, hein. Lorsque Pierre est en prison, qui l'église peut faire? L'église peut prier, n'est-ce pas, frères et sœurs? L'église, suivez-moi bien, hein? Bien qui on dit à moi, frères et sœurs? Pierre dans prison, l'église peut? Pierre dans prison, l'église peut? Pierre dans prison, l'église peut? Et la Bible dit à moi, lorsque l'église peut prier, il y a un mouvement angélique, un ange, suivez-moi bien, frères et sœurs, un ange, il rentre, la côte Pierre était, et Pierre, tu peux? Pierre va te casser la tête, il peut dormir. Suivez ça, frères et sœurs? Aïe. L'ange là, puis j'allais. Pierre. L'ange là, il dit, il s'en met de l'aise. L'ange là, il nous fait la porte de prison pour lui. Suivez-moi bien là. Dire, la prière, lui ouvert, la porte. Très bien. L'ange, qui nous fait la porte pour lui? Par qui? La prière. Dire, l'ange, il nous ouvert la porte par la prière. Encore une fois. Suivez-moi bien, frères et sœurs. Là, la Bible dit, il passe par le premier garde, il passe par le deuxième garde, il y a l'apôtre qui mène à la ville. L'apôtre là a été ouvert par l'ange. Suivez-moi bien là. Hein? Donc, dès l'apôtre au moins, il est ouvert par l'ange. Mais lorsque il arrive le chemin que tu lui à aller, l'ange là quitte lui. Il n'est plus dans les dimensions angéliques, il est dans les dimensions de l'humanité. Tu ne peux comprendre ça là? Parce que l'ange finit de faire ce travail. Maintenant, il est dans les dimensions de réalisme.
les dimensions de l'humanité. Suivez-moi bien là, frère et soeur. Il y a l'Esther, il y a direct que de ban la paix. Il y a direct que de ban la paix, prier pour lui. Pas oublier l'ange du vers la porte prison. Pas oublier l'ange du vers la porte qui mène à la ville. Et lorsque l'infini fait ce travail, ben l'encoupé prier, l'ange infini fait ce travail, l'ange laisse-le dans le chemin de l'humanité. Tout le monde là? L'aile y aller, frères et sœurs, il y aller, il est content, il tape la porte. Qui l'y tapé? Qui l'y tapé? Qui l'y tapé? Qui la porte l'y tapé? La porte que ben peut prier pour lui. Tout le monde comprend ça, là, frères et sœurs? Tout le monde peut comprendre que tu m'étais là, hein? Mon dieu, toi, comme ça, quand l'église peut prier, l'ange, il ouvre la porte prison, il ouvre la porte qui mène à la ville, mais seulement après, ce l'ange se travaille, il finit, hein? Là, il est dans les dimensions de l'humanité, et lorsque il arrive devant la porte, il tape la porte que le banla peut prier pour lui, mais le banla pas ouvert, comme beaucoup parmi nous, frères et sœurs, l'opportunité peut taper à nous la porte, mais nous pas ouvert. Nous prions pour ça, mais nous pas ouvert. Je vous donne l'exemple de ban chrétien carapate. Moi, c'est toi, hein? Seigneur, vous priez maintenant même, Seigneur, Papa Céleste, donne-moi un travail. Seigneur, te donne-moi un travail. Seigneur, t'ouvre la porte. Au nom puissant de Jésus, oui, Shandabarabakatama. Correct, là? Un travail, téléphone-toi. C'est ta vie? Nous, chers contents, prends où? Dites bien là, chrétien, 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 chrétien. Dans ce travail-là, il y a une interview-là. Oui, merci. Alors, commencez lundi. Moi, je prie pour demander, bon Dieu, si c'est la volonté de Dieu pour moi, gagner ce travail-là. Mais, carapate, pas tu aimes-tu prier pour ça? Nos causons à moi, frères et sœurs. Nos causons à moi, frères et sœurs. Papa, c'est mon prière, te demande une bonne tifille, une jolie tifille, Seigneur, Seigneur, te la, hallelujah. Dieu donne-toi une tifille, Dieu donne-toi un garçon. Pour te marier, laisse un garçon à vie, dis-le, avant ton problème, vous avez décidé d'avoir. Mais, ça, toi, tu peux faire. Tu peux suivre moi, la frère et sœurs. Vous dites, tu peux suivre moi, la frère et sœurs. Il tape à la porte, dites bien la frère de soeur, je vous montre une autre petite chose qui est très importante. Il tape à la porte, lorsque il tape à la porte, un tifi, la Bible mentionne toi, tifi, là, ce nom. Il appelle Rod. Rod, il tend la voix de Pierre. Rod, tellement excité, il oublie ouvert la porte. Une jeune femme chrétienne qui est tellement excité, oublie ouvert la porte, frère de soeur. Que ça va, mon frère de soeur? Attends-moi, attends-moi. Te réponse en copé, tape à la porte, tellement t'es excité, c'est moi qui oublié d'ouvrir la porte. Suis-moi bien, frères et sœurs, parce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui maraudent. C'est ma rôde qui a fait, il y a dit à ban là. Il y en a beaucoup parmi nous qui maraudent, il y en a beaucoup parmi nous qui ban là. Les rôdes a dit à ban là comme ça, et Pierre peut taper la porte. Vous connaissez qui m'a dit avec rôde, et t'as fermé la bousta. Qui fait? Ban là peut prier sans croire. Combien de chrétiens qui vous peut dire prier pour qui n'a pas pu croire qui résultat là une rentrée? Je peux prier sans attendre. Laisse-moi dire toi, ban quelque chose qui ne rentre dans l'église. Quand tu donnes pas attendre, n'y en retour. Ah bon? Mon Dieu, donne-moi encore vous donner, moi pour recevoir. Que soit mon frère et soeur? Mais non, nous, quand nous donnons, nous prions, nous ne donnons pas attendre, n'y en retour. Non, 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 moi quand vous donnez, moi attendre quelque chose en retour. Parce que l'idée est pour multiplier sa sémence là. Dis amen, dis amen, dis amen. Mais vous connaissez combien de dictons mondains rentrent dans l'église? Peut-être c'est la volonté de Dieu qui te donne malade. Vous entendez ça, frère et soeur? Bon Dieu peut montrer toi une leçon qui te malade. Mais si bon Dieu peut montrer une leçon de malade, qui te perd à l'hôpital? Acceptez les leçons là, petit. Non, cause à moi. Dites ça, si bon Dieu peut montrer toi une leçon qui te malade. Mais qui va te faire à l'hôpital? Bon Dieu, pas donne-toi leçon pour maladie. Il donne-toi leçon pour sa parole. Mais le diable donne-toi leçon pour maladie. Tu dis, on peut comprendre, moi, la frère et soeur? Ok? Alors, ben, on n'a pas ouvert. Je n'ai pas ouvert. Je ne fais pas ouvert parce que je ne peux pas attendre. Il y en a beaucoup de chrétiens, prier, prier, mais pas attendre, non. Que ça, moi, frère et soeur? Si je me dis, au commencement de l'année, je me dis, ah, frère et soeur, pourquoi bon Dieu pour 1 million de roupies? Pasteur, nous dans une situation Covid, là, vous connaissez. L'économie, pas bon, là, frère. Comment vous êtes capable? Vous êtes ça, pasteur, les discours de casse. Je ne pas de redor, toi seulement. Je ne redor, lui. Parce que toi, tu ne vas pas vous donner. Mais lui, il vous donner. Non, que ça, moi, frère et soeur?
Là, là, quand on vient, oh, je ne peux pas croire. À cause de moi, tu demandes toi de prier avec moi. Non, c'est la vérité ou pas? Hein? Je ne peux pas te dire toi, moi. Qui fait? Parce que si je te dis toi, tu dis moi, ou quoi, dans une situation économique capable, ça passe, hein? Ou ça, tu peux prier juste pour faire moi plaisir. Comme il dit, moi, tu as déjà prié pour ça, tu peux faire ce plaisir. Juste pour finir, juste. Jamais ne arrive toi, frère, ça, te donne supermarché. Nous arrivons à ça, tu dois au supermarché, tu trouves un dimanche, tu n'as pas envie de trouver toi, tu n'as pas envie de trouver lui, c'est moi qui le trouve toi, tu l'as obligé d'y aller bonjour. Là, tu fais un plaisir de dire, encore tu dis à lui, dans tous les cas, tu n'as pas envie de trouver lui, quand tu gagnes l'état, passe la case. Et n'a pas dit, qu'il n'a tout fait comme moi, ok, samedi, moi je viens de toi. Ah, il dit ça, samedi, moi je viens de mariage. Tu ne peux comprendre, il me dit à toi, la frère et soeur. Il y a beaucoup de monde qui peut prier sans attendre. Mon frère, ma soeur, si tu as envie de rebâtir, tu n'es pas capable de pas attendre pour trouver une guitteuse. Parce qu'il n'y a aucun maçon qui attrape une pioche, qui prend un ciment, qui dit comme ça, je ne peux pas attendre pour trouver un bloc à cause de moi, je suis en ciment. Pas exister ça. Chaque maçon qui peut battre ciment, qui gagne un autre bloc, peut attendre pour gagner un mur. Parce que si tu es un maçon qui te veut venir travailler avec moi, je me donne toi bloc, je me donne toi ciment, mais tu n'as pas pu attendre pour trouver un mur, je vais toi bye bye Charlie. Tu sais moi? Parce que tu n'as pas pu attendre pour trouver non rien. Moi, attendre pour trouver un mouvement du Saint-Esprit. Moi, attendre pour trouver un réveil de l'éternel. Je ne pas guette avec mon lisier naturel, je guette avec mon lisier spirituel. Alors, quand l'opportunité tape à la porte, je suis obligé de ouvrir. Je ne suis pas capable de retordre encore une fois. Je retordre parce qu'il me trop prétentieux. Je retordre parce qu'il me trop en a prétexte. Je retordre parce qu'il me trop rempli avec l'étalage. Oui, mais on se comprend, ça veut dire quoi l'étalage, frère et soeur? Alors, il y a un chrétien qui fait l'étalage, frère et soeur. Peut prier pour recevoir quelque chose. C'est moi quand je dis, vous commencez à dire qu'il y a le mariage là, puis attendre pour gagner ça pour là parce que tout. On finit de jeûner ça depuis pas qu'il est pauvre. On finit de compter comme il dit mon avant où. On compte comme les poules là là-dedans. Ou dire, pour y'a assez pour en ce qu'à côté de moi. C'est moi qui est venu, je dis, Que ça, mon frère et soeur. Depuis pas qu'il est pauvre, tu prends ça pour là, venir. Quand il vient que toi, prends tranquillement, mets ton piment manger, papa. Une prière, une gagner, prends. Dis amen. Mon père dit, nous peut rebâtir, frères et sœurs. Mais parce que moi, tout ça fait la belle rodeli. Cause en moi. Et une stratégie dans l'armée, bon Dieu. Et nous pouvons faire sa stratégie là. Tout le monde est à sa place. Dieu nous dit à moi, nous avons monté une équipe d'évangélisation. Une équipe de l'intercession. Mais excuse-moi pour tout respect là. Hein? Une équipe d'intercession des apôtres. Qui peut prier sans attendre pour trouver. Que ça moi? Une équipe de l'intercession, une équipe d'évangélisation, une équipe qui peut donner coup de main, faire l'ouvrage aussi, frères et sœurs. Vous connaissez, ça me rappelle l'époque longtemps. Dans l'époque longtemps, quand on en a pour Kuldal. Vous rappelez quand on a pour Kuldal, on donne coup de main? Right? Ou pas qu'on Kuldal, ou pas qu'on a le ciment. Mais si on donne coup de main, qui vous fait? Vous soyez panier. Vous ne pas? Et n'a qui pas qu'on soyez panier, qui vous fait? Vous faites zi. Vous ne pas? Que ça, ma vraie soeur. Vous donne coup de main, faites du pain. Un femme me dit, regardez la Kuldal là. Vous parlez de ça? Non. Mon ma tante, vous parlez de ça? Elle donne ton coup de main, faites du pain. Tous hommes l'audalme, tous les hommes peuvent donner coup de main faire du pain. Mais moi, je donne coup de main. Ça joue là, moi, je suis pour gagner du pain. Ça joue là, mon matin, tu remercies, moi, tu me donnes coup de main, coup de dalle. Non, je donne coup de main, coup de piment dans du pain. Mais au fond, partie là, de peine à personne, ce travail inutile dans le royaume de Dieu. Personne. Moi, annonce-toi au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs. Pourquoi gagne l'être là, mais moi, annonce-toi au nom de Jésus-Christ. Nous perdons dans ce bâtiment-là et tu peux donner nous un coup de main. Nous pour rebâtir.
et nous pour mettre bonne jolissée, frères et sœurs. Amen. Et au nom puissant de Jésus-Christ, nous pour rebâtir et nous pour étendre nos filets dans les autres îles aussi. Dans les autres îles, puis appelle-nous, frères et sœurs. Est-ce que je n'apprends quelque chose? Nous tapons la main pour le Seigneur. Tu l'as tête courbée, tu dis j'ai fermé. Ceux qui peuvent servir à la table, demande pour 10 minutes avec eux, nous terminer. Ceux qui peuvent servir à la table, 10 minutes, frères et sœurs. Gloire à Jésus-Christ. Tous ceux qui ont besoin de nous, le Facebook, sur le YouTube, prépare-toi pour prendre la Sainte Cène. Et tous ceux qui là, restent assis un moment, frères et sœurs, la Bible dit avant qu'ils nous participent à la table, nous examinent les cœurs. L'apôtre Jean, il peut dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner tous nos péchés. Nous sommes les croyants et nous devons croire. Quelque temps de cela, Jésus-Christ lui réunit ce bon disciple, lui dit à table, il prend le pain, il bénit le pain, il rompt le pain. Il dit, ceci est mon corps. C'est le 8e alliance, frères et sœurs. Le chiffre 8 veut dire un nouveau départ. Dans la Bible, il y a 8 alliances. 8e alliance, nouveau départ. Ça n'est pas fait par le corps et le sang d'un animal, il est fait par le corps et le sang de Jésus-Christ. Un nouveau départ. Quelque temps après, il prend la coupe. Il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Nous sous une nouvelle alliance, mes soeurs. Tous ceux qui participent avec nous par la foi dans la Sainte Cène, nous mettons debout ensemble. Le serviteur à la table, s'il vous plaît. Nous servir le pain et le fruit de la vie déjà. Seigneur, gardez dans nous la main. Maison de prière, de prière. De tu veux le mot de tes âmes fini. De tu veux le mot de tes âmes fini. De tu veux le mot de tes âmes fini. Une maison de prière, que tu fais le mal que jamais lui fini, que tu fais le mal que jamais lui fini, que tu fais le mal que jamais lui fini, une maison de prière, Seigneur, fais-moi bien, maison de toi-même de cette atmosphère de l'adoration. Résonne avec les pensées et la parole de Dieu. Personne n'est indigne. L'utilité se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Papa Céleste, ce matin, comme une famille, nous prenons le pain de la vie, le corps de Jésus-Christ, béni, brisé, qui m'a été donné.
me faites ceci en mémoire de toi, de la victoire. Me recevoir au nom de Jésus le salut et la rédemption par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur. Amen. Nous prenons le pain ensemble. Avec moi, Dieu Papa Céleste, le sang de Jésus, il sanctifie-moi, il purifie-moi, il donne-moi la paix, donne-moi la victoire, donne-moi la force, donne-moi la bonne et parfaite santé. Il protège-moi, il préserve-moi. Merci Seigneur, me prends ceci en mémoire de ce que tu as fait sur la croix du calvaire. Pour moi, au nom de Jésus, amen. Terminer avec nous la diminue l'offrande, frères et sœurs. Dieu fait nous confiance. Il y a trois façons de donner. Donner l'Église, donner lorsque le panier peut venir, frères et sœurs. Nous donner avec joie par la foi. Nous donner, si on veut écrire un chèque, nous l'Église y enregistrer, frères et sœurs, Christian Family Church International. Ou soit vous capable de donner à travers Mighty Money ou Juice Christian Family Church International. Ou faire au nom de Christian Family Church International. Amen. Laisse-nous terminer en célébrer le Seigneur et nous passe le panier, frères et sœurs. Bon Dieu, bénis-nous. Je passe un bon moment ce matin. Je vais apprendre quelque chose ce matin. Est-ce qu'il nous croit, nous bénit, frères et sœurs? Alléluia. Une célébration en toi. Gloire à Jésus-Christ. Chorale. Hey. Nous debout ensemble, nous terminons en célébrant mon Dieu. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. En son nom.
Passer un bon moment ce matin. Amen. Je n'apprends quelque chose ce matin. Amen. Nous rebâtir. Amen. Nous reprendre. Amen. Réveil et rentrer. Amen. Amen. Lève de la main, femme de l'Église, dis ensemble avec moi. Dieu la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit est avec moi. Et quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le bonheur et la grâce, accompagne-moi tout le jour de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Mon Dieu, bénis-je, tu es bien content, je t'allais en paix. Ceux qui visent à la prière,